Au pied du mur, mais aussi de la montagne parisienne, Massy le dernier doit gagner face aux champions en titre pour espérer encore se maintenir à l'occasion de cette 23e journée de Lidl Star League. Le PSG deuxième ne doit lui pas se laisser piéger lors de ce derby pour croire au titre. Et d'entrée, ce sont les autres qui prennent les affaires en main avec Alemo, Hansen, 7 buts là pour répliquer du côté des visiteurs, mais il y a 4-1 à la 8e. Bellassène met d'ailleurs les shooters parisiens en difficulté avec l'un de ses 19 arrêts. Corrales va faire de même de son côté, la partie va s'équilibrer, il y a 8-8 à la 22e. Les deux équipes ne se lâchent pas et Massy récite un super bandeball avec Réo, 6 unités à la conclusion. Mais aussi Cramoisi qui fait vibrer la salle. Paris souffre mais reste dans le coup et prend même une longueur de mieux avant la pause par Nicolas Karabatic, 10-11 à la 30e. Au retour des vestiaires, le combat est toujours aussi âpre et Réo porte ses partenaires. Le PSG doit s'employer pour marquer, Gensheimer y parvient avec ce spectaculaire but, 16-16 à la 39e. Les deux équipes se rendent coup pour coup et Massy fait sérieusement douter Paris et il faut un bon Corrales 14 arrêts pour rassurer les visiteurs. Il y a encore 19-19 à la 44e après ce but en contre de Stepančić. Et ses partenaires vont alors refaire un petit break, 21-19 à la 46e. Le sourire du gaucher ne va pourtant pas durer puisque Omeyer s'interpose ensuite et permet au PSG de revenir à hauteur, 21-21 à la 50e. Dans le Money Time, l'expérience fait la différence du côté des visiteurs qui enchaînent et s'imposent finalement de peu, 24-27. Massy est officiellement relégué et jouera la semaine prochaine à Chambéry. Paris reste second et accueillera Aix